À l'APHP, les équipes opérationnelles d'hygiène, les services de santé au travail, les services cliniques, les directions sont tous mobilisés pour la vaccination contre les virus hivernaux, bien sûr la Covid-19, puisque l'épidémie n'est pas terminée, mais également la grippe saisonnière. D'abord pour se protéger soi-même contre le risque d'infection, mais également pour protéger nos collègues et puis nos patients et également notre entourage familial. Comme vous le savez, au cours des deux saisons précédentes, le virus de la grippe a très peu circulé du fait de l'application des mesures barrières. Ce qu'on a vu dans l'hémisphère sud, en particulier en Australie, c'est que cette année, la grippe était particulièrement sévère avec un nombre très important de cas. En effet, quand on n'est pas confronté au virus de la grippe, finalement, notre organisme est moins armé pour se défendre. Concernant la Covid-19, nos professionnels de santé sont vaccinés, certains d'entre eux ont même également été infectés par la Covid. Néanmoins, on sait qu'avec le temps, il y a une diminution des réponses immunitaires, ce qui nécessite en fait un rappel vaccinal pour remonter le titre d'anticorps et assurer une protection optimale. Non seulement on a le droit, mais c'est aussi une façon très pratique en fait de se faire vacciner contre les deux virus en même temps. Il n'y a aucune contre-indication à le faire. Aucun de ces deux vaccins ne peut provoquer l'infection, ça c'est très important de le rappeler. Ce sont des vaccins qui ne sont pas des vaccins vivants, donc on ne peut pas être infecté par la grippe ou par la Covid à cause de la vaccination. D'autre part, la tolérance de ces deux vaccins est globalement très bonne. On peut avoir un peu de fièvre, une douleur au niveau du point d'injection du vaccin, mais en général, ces effets secondaires sont tout à fait bénins et passent en quelques jours. Il n'y a pas d'effet indésirable supplémentaire du fait d'administrer les deux vaccins de façon concomitante. Même lorsqu'on a été préalablement vacciné et qu'ensuite on fait une infection, il semblerait que cette protection ne soit pas suffisante pour vous protéger complètement contre une nouvelle infection. Et donc c'est nécessaire d'avoir un nouveau rappel vaccinal pour vous protéger au mieux.